Salut mes chers, ravi de vous présenter la scène 3 de l'acte 2 de la pièce de théâtre Le Petit Poucet, adaptation théâtrale de Ivan Gusset. Le Petit Poucet, scène 3. Les petits entrent et se mettent à table. Après quelques instants, un grand bruit de porte, de claque se fait entendre, puis de lourds bruits de pas. Les enfants s'y ressortent tous ensemble. La femme de l'ogre se lève rapidement. « Mes chers petits, cachez-vous sous le buffet, pas un bruit !» L'ogre entre. « Bonsoir, femme. Ça sent la chair fraîche. Que m'avez-vous donc préparé pour le souper ?» Rien de spécial, des veaux bouillés, des sangliers rôtis et de l'agneau saignant. Eh bien, cela sent rudement bon, mais je suis sûr que ça sent la chair fraîche. Il se lève, va au buffet, se baisse et sort les enfants. Ils sont pétrifié de terreur. Comment, femme, voilà ce que tu voulais me cacher. Tu mériterais que je te dévore sur le champ. Mais non, mon cher mari, je ne voulais rien vous cacher, hein. C'était une surprise pour votre repas de demain. Venez donc manger la viande qui est servie et boire le vin qui est tiré. « Retirez donc vos bottes de cet lieu. »« Tu as raison. J'en ai bien assez pour ce soir. Donne-leur donc à manger pour qu'ils ne me grisent pas pendant la nuit. Et demain, quel festin !»« Venez les enfants. » Les enfants la suivent.